Comme je dis, nous n'étions pas nombreux comme étudiants, une quinzaine, et tous, je dirais, ayant déjà un diplôme, c'était postgraduate, et tous presque ayant déjà eu des années d'expérience. Il y avait un ancien commissaire de district, un district commissioner, donc il datait de l'époque coloniale. Il y avait des missionnaires plus ou moins vieillissants, il y avait des géographes, il y avait... Donc, c'était intéressant parce qu'à Cambridge, on pouvait faire de l'anthropologie au niveau undergraduate, en entrant, on pouvait faire un billet, un MA en anthropologie. Mais à Oxford, je crois qu'ils ont raison, l'anthropologie, ça vient en plus, il faut déjà... avoir une identité disciplinée, et l'anthropologie vient mettre les points sur les i, si tu veux. Je ne suis pas contre, il ne manquerait que ça, mais je trouve que ce système-là, où c'est vraiment entre adultes consentants, et que c'est un choix véritable, et non pas, bon, il faut que je fasse quelque chose, bon, je ne suis pas très doué pour les maths, je vais faire l'anthropologie. Là, c'était vraiment... les gens étaient là par choix. Le corps professoral était très réduit aussi. Il y avait Evans Pritchard, il y avait les deux frères, Leonard, Peter, le jeune, et Godfrey, qui avait écrit un super bouquin sur les Dinka, Divinity and Experience. Tous les deux, c'était des bons catholiques, même un peu traditionnalistes. Il y avait Beatty, qui avait été... Un administrateur colonial en Ouganda, et Needham, qui était un peu l'enfant terrible, si tu veux. Il n'était pas africaniste, il avait fait l'Indonésie. C'était le plus philosophe aussi, le plus brillant, entre guillemets, intellectuellement, de l'équipe. Et puis, un certain Hardner, qui était linguiste. Tous ces gens donnaient, comme je dis, 8 heures. Needham était resté à Oxford. Comme il était brillant, il aurait pu aller n'importe où dans le monde universitaire, mais il restait à Oxford à cause des ressources bibliographiques. C'était inimaginable ce qu'il y avait comme documentation dans tous les domaines, et donc dans l'anthropologie. En particulier, il y avait Rhodes House, par exemple, qui collectionnait les archives coloniales. Et comme je dis, ce système était à base du tutorial. Bon, au loin, j'avais des vagues idées en quoi ça consistait. Et puis, cette année-là, c'était Needham qui dirigeait, si vous voulez, administrativement l'Institut. C'est lui qui éparpillait les étudiants entre les profs. Il a dit, bon, Mike, puisque tu es avancé en âge, sinon en sagesse, on vous donne Evans Pritchard comme tutor. Ça, de nouveau, c'est je sais pas, les dieux ont toujours été de mon côté, donc, du moins dans cette incarnation-ci. Parce que j'étais le seul. Il était vieillissant à l'époque, un peu fatigué. Donc, j'étais son seul élève de cette année-là. Et je suis allé le voir tout de suite. Il a dit, bon, vous revenez mardi prochain à 9h et on lance la pompe. Bon, je reviens dans son bureau. Ça a dû être le salon de cette grande maison victorienne. Il y avait un divan... tout à fait déglingué, les ressorts étaient passés dans le décor. Il y avait une table sur laquelle il y avait un missel romain, une bouteille de vin blanc, et toutes les œuvres de Comte, édition originale, parce qu'il commençait à travailler
sur Auguste Comte. Oui, je m'assois à côté de lui sur le divan. Et vous lisez le français? Moi, je dis oui, hein, quand même. Eh bien, il a dit pour le premier tutorial, prenez les formes élémentaires de Durkheim. Ça faisait 600 pages dans ma tête. Et le manuel d'ethnologie de son neveu Mauss, ça faisait 250 pages dans ma tête. Et voyez s'il n'y a pas un air de famille. Comme il voyait que je tirais la tête, il a dit, si ce n'est pas assez, je peux toujours augmenter. Moi, j'ai dit, non, ça va. Donc, je suis retourné à Greyfriars. Et pendant une semaine, j'ai lu les 800 pages. J'ai fait un résumé, un essai. Et j'aurais bien voulu garder ces essais. Et je les ai gardés. Mais malheureusement, les termites les ont bouffés en Tanzanie. Parce que c'est vrai, quand tu prends note, tu assimiles, mais quand tu réécris toi-même un essai semaine après semaine, ça te reste dans ta tête beaucoup plus que n'importe quel syllabus ou note de cours. Donc je reviens mardi, je commence à parler de Durkheim. Avec Ernest Richard, il était à cheval entre l'époque victorienne et les modernes, si tu veux. Et chaque fois que tu mentionnais quelqu'un, Lévi-Brulle, Lévi-Brulle, oui, je lui ai écrit une fois dans les années 20, quand j'étais au Caire, pour dire quand même que la mentalité est primitive. Et Marcel Mauss, oui, je suis allé le voir chez lui à Paris, il avait une maladie du sang, il devait faire beaucoup d'exercices, et je suis allé échanger avec lui à propos du rite du sacrifice du cheval dans le Rig Veda. Il a dit, suivez-moi, on est parti dans le jardin de Luxembourg en face, et j'ai couru derrière lui comme un petit chien de compagnie, puis on est retourné chez lui discuter de ça. Et il y avait une femme à côté, dans un lit, à côté de son bureau, qui participait à la discussion sur le sacrifice du cheval. Et chaque fois que tu mentionnais quelqu'un, Radcliffe Brown, c'était son prédécesseur. Évidemment, dans un autre tutoriel sur la magie, j'avais parlé de Fraser. Oh, Fraser, oh là là, quel connard. Je suis allé une fois dîner avec lui à Cambridge, un grand banquet, comme il était sourd, dingue, et comme il bafouillait et splutchait sa soupe partout dans sa barbe, sa femme a gueulé dans un grand trompette de soude. Attention, tu es en train de te saloper. Malinowski. Oh, Mac Raspberry, il a dit. Ça se traduit, paraît-il, Mac Framboise, fils de Framboise. Oui, mais quand même. Il ne supportait pas que ses étudiants le dépassent. Il ne fallait pas tuer le père de son vivant. Et il piquait nos idées. Il avait été élève de Malinowski avec toute cette première génération. On n'était pas nombreux. C'est ça qui est difficile à comprendre aujourd'hui quand il y a une explosion démographique en anthropologie. À l'époque, en Angleterre, tu avais Oxford, qui était le nec plus ultra. Tu avais un succursale, entre guillemets, à Cambridge, et puis à Manchester, paraît-il, il y avait des anthropologues aussi, et puis à Londres, mais là, on n'en parlait pas, c'était beaucoup trop prolétaire, si tu veux. Et donc, il n'y avait pas grand-chose, et tout le monde s'appelait par leur petit nom. Mary Douglas, si tu veux, Lucy Mayer, qui écrivait, Edmund Leach, ils venaient tous donner des séminaires chez nous, si tu veux, parce que c'était tous des copains d'Evans Pritchard. J'ai dit, on était très peu nombreux à la fois comme masse critique au niveau des étudiants et au niveau des anthropologues. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a, à mon avis, il n'y a jamais eu de déchets. Ils étaient tous brillants, ils étaient devenus anthropologues. Il n'y avait pas eu de mauvais anthropologues, ils étaient tous des ultra calés dans le champ respectif.
Et donc, on avait ce système des, des tutorials. Donc, ça faisait 8 par premier semestre, 8 lors du second semestre. Et puis, le troisième semestre, c'était préparer les examens. Et les examens étaient écrits. L'oral ne comptait pas. On passait un oral s'il y avait eu doute, si tu veux. Donc, presque personne ne passait un oral. Et l'examen, c'était quelque chose de nouveau, de très stimulant, de très pédagogique, de très enrichissant. On avait des papers à Oxford. Il y avait un bâtiment, le Schools, qui était dédié uniquement à faire passer les examens. Et en fin d'année, on avait une semaine d'écrit, une matinée sur la religion, un après-midi sur les systèmes de parenté, une autre matinée sur l'économie, avec des questions très intelligentes, des questions non pas de questions-réponses, mais par exemple, pourquoi tout le monde s'intéresse-t-il à l'inceste, des questions qui donnaient à penser, si vous voulez. Et les questions des années précédentes étaient publiées avec une immense bibliographie, donc tu ne pouvais pas, préparer les examens tels qu'on les prépare, même dans les grandes universités sur le continent, où il faut lire les notes de cours, où il faut bouquiner le syllabus pour répondre à des questions qui vont être prises dans la matière. Mais là, il n'y avait pas de matière, si tu veux. Il y avait un examen. Il fallait choisir aussi une région, si tu veux. Et cette année-là, c'était les Nilotes, si tu veux. Et là, les questions, mais de nouveau, mais très détaillées. Il fallait pas chipoter. Il fallait quand même investir énormément dans les lectures et les discussions pour en sortir vivant. Il faut quand même qu'on avance dans ma vie avant que je ne sois mort. Et donc, ça, c'est en gros Oxford. À la fin, quand j'avais... Ah oui, non, il faut quand même... J'ai un diplôme, si tu veux. Et un spiritual me dit, bon, Mike, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ah oui, j'ai oublié une autre anecdote aussi pour montrer... Le type, je ne sais pas s'il se prenait au sérieux ou s'il s'était laissé identifier à ce rôle de trickster. Parce qu'il ne pariait pas sur les chevaux, mais sur les chiens, qui était c'est l'équivalent bas de gamme du TRC. Et une soirée, il m'a dit, Mike, j'ai parié gros ce soir, mais je ne suis pas sûr de gagner. Allez brûler un cierge chez les jésuites, devant la statue de Saint-Antoine, pour que je gagne. Toi qui es curé, tu dois avoir des faveurs, des prix d'amis. Et moi, alors je l'ai fait, et il a gagné, mais je ne sais jamais s'il se foutait de moi aussi. Il ne savait pas lui-même, je crois. C'était... Et puis, il a dit à la fin, il m'aimait bien, je crois. Mais il aimait tout le monde, de toute façon. Il était... Je dis très attachant, très sans être copain, sans être d'une familiarité vulgaire. Il restait toujours un vrai gentleman. Mais à la fin de l'année, il a dit, mais qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Moi, j'ai dit, bon, je vais sûrement être nommé en Afrique ou dans une maison de formation des Pères Blancs. Il a dit, bon, fais quand même une thèse, c'est toujours... Ça gagne toujours. Moi, j'ai dit, mais moi, je n'ai pas de sous. Et les Pères Blancs n'ont pas de sous pour des gratuités académiques. Ah, il a dit, mais je vous nomme assistant. Sous le champ, comme ça, il n'y avait pas de réunion de l'Institut où on délibérait sur des candidatures. Il a dit, bon, je te nomme mon assistant. C'est comme ça que j'ai passé une année comme assistant d'Evans Pritchard. Il me refilait des étudiants qu'il n'aimait pas trop. Donc, j'ai aussi pratiqué le système des tutorials. Mon boulot aussi, c'était à la fois de l'aider dans ses recherches, mais aussi de l'amener chaque midi boire une bière au pub
du coin et de le ramener sain et sauf à Trois-Îles. C'était à l'époque où on s'en est à Trois-Îles. On dit, voilà, last drinks et le pub fermé jusqu'à 6 heures. Ils avaient fait une loi pendant la Première Guerre mondiale pour que les soldats ne soient pas ivres morts avant d'aller dans les tranchées pour se faire massacrer par les Allemands. On avait dit, il faut faire le plein entre midi et 3 heures, et puis entre 6 heures et 9 heures du soir. Et la loi, les Anglais sont très à cheval sur la tradition, on ne bouge pas, et on ne bougeait pas à l'époque. Et donc, ça faisait partie de mes devoirs d'assistant, de l'assister dans ces sorties éthyliques. À côté, très souvent dans le pub venait, quand il habitait à côté, Fag, qui était un grand spécialiste de l'art, des Yoruba, de l'art du Nigeria, qui m'a aidé après, quand je suis parti faire des enquêtes au Nigeria. Et donc, je vais faire une thèse. Et j'ai fait une thèse sur l'idée de Dieu chez les Nilotes. Et c'est intéressant parce que un de mes premiers articles, c'était sur la Zande Theology. Il avait écrit un superbe article qui est toujours à lire sur la théologie des Zande. Pour dire qu'il n'était pas du tout théologien, qu'il s'en foutait, que les questions théologiques les ennuyaient et qu'ils étaient, ils croyaient pas en Dieu, que le symbole suprême était beaucoup trop humain que divin. Et vous dites, oui, mais c'est parce que Evans Pritchard, comme tous les agnostiques et athées, ne voulait pas que l'étude de la religion primitive sert à la cause chrétienne. Absolument pas. Evans Pritchard m'a expliqué une fois, et je l'ai fait venir au grand séminaire pour qu'il explique à mes confrères, qu'il était devenu catholique parce que les Nuels l'avaient fait honte. Les Nuels étaient d'un monothéisme tellement impressionnant, mais pas militant, massacrant et manichéen, un monothéisme très, très logique, très limpide, si tu veux, et anoblissant, qu'il a dit, il faut que je redevienne croyant. Et comme il était, entre guillemets, excessif en ses pensées, c'est vrai, il a dit, il faut que je me fasse catholique. C'est ce qu'il y a de plus loufoque, si tu veux, mais de plus limite. Donc, il s'est fait catholique au lieu de redevenir anglican. Donc, il n'est pas suspect. Et ça m'a impressionné, si vous voulez, que au lieu de chercher midi à 14 heures, au lieu de chercher, comme la plupart des missionnaires, les vestiges, les échos, les bribes d'un monothéisme primitif, il a été honnête en disant les épaisseurs empiriques chez les Andés ne parlent pas du tout d'un quelconque théisme primitif. C'est tout au plus leur être suprême est une sorte de pars pro toto, une symbolisation de l'ancestralité, si vous voulez. Et j'étais tellement impressionné par cela que le premier article, entre guillemets, sérieux et scientifique que j'ai fait, c'était pour son Festschrift, quand il a pris sa retraite, ses anciens assistants et amis ont fait un bouquin qui s'appelle Zande Themes. Et moi, j'avais fait un chapitre sur le Zande Theology et la théologie secular theology. Dans les années 60, surtout dans les pays anglo-saxons, il y avait une théologie assez paradoxale. C'était une anthropologie sans homme, ça n'existe pas. Une hydrologie sans de l'eau, ça n'existe pas. Mais à l'époque, d'une manière assez kamikaze et suicidaire, les théologiens faisaient la théologie sans Dieu. Il y avait un « death of God » théologie, une théologie sans Dieu, parce que les théologiens ont accepté que, pour finir, Nietzsche avait raison, que le Dieu auquel les chrétiens avaient cru n'était pas à la hauteur du transcendant. Ils n'avaient pas renoncé à l'idée, au moins, d'un transcendant, un peu comme l'infini de Levinas, mais ce n'était pas du tout ce Dieu négociable
qui montrait son cœur aux humains, etc., etc. Non, non, c'était, il fallait un christianisme par-delà le religieux, avait déjà dit ce fameux pasteur protestant Bonhoeffer, et les théologiens avaient plus en revue dans les années 60, entre autres un évêque anglican Robinson, s'était rendu par-delà le Dieu négociable, le Dieu de la communion, si tu veux, le bon Dieu de la théologie, même thomiste, si vous voulez, même la plus rationaliste. Et donc, j'avais fait cet article m'inspirant du Zen des théologies et d'autres textes du même gabarit pour montrer que, paradoxalement, les plus primitifs avaient anticipé sur les plus postmodernes que l'absence d'un dieu africain coïncidait avec la disparition du dieu de l'horizon théologique occidental, qu'il y avait quelque chose d'assez interpellant entre ces deux extrêmes. Et ça a toujours été un des thèmes de mes recherches. Bon, ça n'a pas été une obsession ni une préoccupation permanente, mais un des derniers textes que j'ai écrit aussi sur ce sujet pour un Festschrift, pour une collègue congolaise de Louvain, une Faik Ndzouji, spécialiste de l'art et du symbolisme congolais, était pour dire qu'on avait pillé l'Afrique de son identité. Que les Africains se plaignent souvent qu'on leur a pillé de leurs ressources matérielles, surtout c'est le cas malheureusement du Congo. Mais moi, pire encore, c'est le pillage de l'identité, des ressorts identitaires. En voulant à tout prix que... Et c'est terrible parce que ceux qui ont voulu cela, c'était les plus ouverts, les plus iréniques, les plus écuméniques, en voulant que les Africains aussi aient eu une vague idée de Dieu, aient eu une vague idée du ciel, aient aussi pensé à un jugement, avaient déjà un sentiment du péché. Tout ça, c'est piller des gens. On dit qu'il faut donner la parole aux Africains, à l'autre, mais on ne l'a pas donné la parole. On leur a fait dire ce que nous disions en moins fort, en moins clair, en moins net. Et quand tu donnes la parole à l'autre, c'est sa parole qui doit reprendre et non pas la tienne. Et souvent, il dit exactement le contraire de ce que vous dites, vous. À Oxford, un des profs, c'était ce fameux Beattie qui avait écrit un manuel à l'époque qui s'intitulait « Other Cultures »,« Autres cultures ». Et pour moi, c'est toujours resté un peu le fin fond de l'intentionnalité identitaire de l'anthropologie, c'est d'inventorier l'autre dans son altérité. Mais je crois que même Beattie, si vous voulez, ne se rendait pas compte que l'autre était vraiment autre, irréductiblement, irréversiblement, incompressiblement autre que nous, et que l'altérité est plurielle, est positive, est permanente. C'est un peu ma dernière conviction anthropologique, si vous voulez. Lévi-Strauss a dit que la dichotomie universelle, c'était nature et culture. Bon, moi, je l'ai déjà dit, toute modestie à part, avant Descola, c'est qu'il y a autant de nature que de culture, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de nature. Et donc, il n'y a pas de culture, dans le sens de quelque chose qui prendrait le contre-pied du naturel. Mais pour moi, la véritable dichotomie, l'enjeu de fond de l'anthropologie, c'est le même et l'autre, le même ou l'autre. Et beaucoup d'anthropologues, si vous voulez, tombent dans le panneau du même, parce qu'il y a des chapitres dans les monographies sur l'écologie, sur l'économie, sur la parenté, sur les systèmes politiques, sur les cosmologies, sur la religion, comme si tout humain qui se respecte se doit d'avoir de l'économie, de l'écologie, du politique.
Mais c'est faux. Si vous respectez l'autre, vous vous rendez compte qu'il est tout autre, qu'il n'a pas de religion, il n'a pas d'économie, il n'a pas de politique. Il n'a pas toutes ces réalités d'une manière embryonnaire, incoative. Le pygmée n'est pas potentiellement dans l'économie. Il a fait comme ça, l'économie. Il a choisi, un peu comme Clastres a dit, des sociétés sans État. Ils ne sont pas sans État, ils ont dit non à l'État, si tu veux. Et donc, ils n'ont pas... Vouloir à tout prix qu'ils aient une sorte de politique en herbe ou que tout le monde... Parce qu'on raisonne à l'envers, de nouveau, on va vers l'autre avec l'idée d'une nature humaine. Alors, le blanc, l'occidental, il a, depuis Aristote et Jésus, il a dit que nous sommes tous des humains, donc il y a une nature humaine, et la nature humaine a certains traits fondamentaux, à savoir, par exemple, il tombe malade, il fornique avec sa femme ou d'autres et il se met de temps en temps à genoux quand ça va mal. Et donc, tout le monde a connu le mariage, tout le monde reconnaît l'existence du religieux et puis il faut quand même soigner les maux de tête et donc on a l'équivalent des... C'est faux. Il y a des peuples chez qui il n'y a pas de maladie. Et donc, il n'y a pas de médecine. Les Africains que j'ai connus avaient un type qui s'appelait le Muganga, mais ce n'est pas un médecin qui s'ignore, c'est un clairvoyant qui a un remède à tout. Vous avez mal à l'estomac, oui, il a une herbe, mais votre belle-mère est chiante et vous voulez lui faire un sort, mais il va remédier à ce problème-là. Dire que c'est un médecin parce qu'il soigne aussi avec des plantes, c'est faux. Ce n'est pas un médecin. Il y a un impérialisme inavoué et inconscient chez la plupart des anthropologues qui veulent à tout prix que l'autre soit le même, en plus sympa, en plus curieux, en plus attirant, en plus bizarre. Mais non, il faut accepter que l'autre soit autre. À ce moment-là, vous pouvez dire, mais ma femme et mes enfants sont tout autres. Et pas seulement les Wakonongo ou les Dogons. Tout le monde est tout autre. Et à chaque moment. Bon, où est-ce que j'en étais là? On était parti pour la gloire. Bon, j'ai fait cette thèse sur les Nilotes, justement, non pas pour prouver que les Dinka, les Chiluk, les Anouak et les Nuer avaient tous une idée de Dieu. Et ce Dieu s'appelait Djok. C'était pour montrer pourquoi le Djok des Nuer n'était pas le Djok des Dinka et encore moins des Chiluk. À chaque fois, vous avez affaire à une symbole suprême incompressible à cause des milieux incompressibles. Le milieu Nuer est assez cool et relax. Les eaux viennent et disparaissent régulièrement. Les nuées se mettent en saison des pluies, des inondations sous des monticules. Mais c'est pas compliqué à gérer. Les Dinka vivent dans un milieu avec des ravins, avec des inondations, avec des tempêtes. Et donc, leur djok est du même gabarit, si vous voulez. Et donc, c'est complètement idiot d'étudier tous azimuts, mettons, toutes les monographies sur les religions africaines pour conclure enfin que même les Africains croyaient en Dieu. Mais non, ils ne croyaient pas en Dieu. Ils croyaient à chaque fois et à chaque moment à ce Dieu-là qui n'a rien à cirer avec le Dieu des voisins parce que votre milieu est différent. Votre milieu matériel, moral, mystique, métaphysique est différent. Vive la différence. L'anthropologie, c'est la discipline de la différence et non pas de l'identité foncière.